Bonsoir tout le monde. Vous m'entendez bien là, ça va? Bon, je suis désolé. Non, je suis très impressionné d'être dans un festival de guitare parce que d'habitude je chante plutôt des conneries. Je vais chanter. Alors j'ai prévu. Je vais faire une heure d'extrait quoi. C'est pas un spectacle comme on fait habituellement parce que j'ai dit quand même c'est un festival de guitare, il faut jouer de la guitare un petit peu quand même. Alors j'essaie de m'appliquer, hein. On va essayer de. Je suis content d'être ici ce soir parce que, comment vous dire, moi j'ai toujours eu un rêve dans ma vie, c'est de jouer à Issoudun. Quand j'étais gamin, je me suis dit, un jour tu joueras à Issoudun, et c'est ce soir, et c'est vraiment la folie, quoi. Vraiment, alors là, quand on voit le centre-ville, c'est la folie, alors. Je suis tellement content d'être ici ce soir que j'avais envie de commencer par une nouvelle chanson. D'abord, je vais commencer par une intro un peu branchée, parce que quand même, un peu hype, comme on dirait au centre-ville d'Issoudun. Hein. Une intro démocratie participative, vous voyez, genre... Swing, smash, swing, 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 à vous. C'est un truc de gauche, alors on comprend pas tout le temps, hein, d'accord, hein. Alors on va essayer de les soutenir, parce qu'ils ont un peu besoin de nous en ce moment, hein. Alors on essaye, on y va, c'est parti. Swing, 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 swing. Pas beaucoup de socialistes cet après-midi à Issoudun. C'est pas grave, je suis tellement content d'être là que j'avais envie de commencer par une nouvelle chanson. Ouais. Ouais, de toute façon, ouais, je vous aurais fait une ancienne, pour vous c'était une nouvelle aussi, de toute façon. Alors, bon. Donc on y va, c'est parti. Enquête, sondage, statistique, observation, investigation, étude, conclusion. Enquête, sondage, statistique, observation, on vit une époque de décortication. Un Français sur trois souffre de troubles mentaux, les deux autres ne perdent rien pour attendre. Qu'est-ce que vous en pensez là de ce truc-là? Je le garde ou pas? Comme c'est nouveau, je sais pas trop. Alors, on va voter qui est pour, on lève la main pour qui est. Ah quand même, ah oui c'est pas mal, oui. Alors qui est pas contre? Ok, j'espère que ceux qui ont répondu sont sains d'esprit ce soir. Deux gendres sur trois ne supportent pas leur belle-mère, celle du troisième est décédée. Ça je le garde. Enquête, sondage, statistique, observation, investigation, étude, conclusion. Enquête, sondage, statistique, observation, on vit une époque de décortication. Y a-t-il plus de chauves en Corse que sur le continent? À Porto Vecchio, non à Bonifacio, non à Ajaccio, non à Bastia, non à Calvi. Si, enquête, sondage, Calvi, si, ouais, c'est pas terrible, 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 terrible. Non, ce qui est pas terrible, c'est qu'il y en a qui viennent le comprendre juste maintenant, et ça, c'est pas terrible. Je vais enchaîner. En France aujourd'hui, un couple sur trois divorce. À mon avis, si les deux couples restants ne divorcent pas, ils y pensent régulièrement. Ça rigole moins. La 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 la. Ça fait l'unanimité, ça. D'ailleurs, si je peux me permettre, je pense qu'on devrait délocaliser les maisons de retraite. Parfaitement. Premièrement, ça serait moins cher. Et deuxièmement, ça serait plus loin. C'est bien ce que je vois ce soir, il y a quand même un maximum de vieux dans l'assistance. Autant pour moi, je sais qu'on dit pas vieux. On dit plus vieux, on dit comment? On dit les seniors. On dit les seniors, on dit plus handicapés, on dit personnes à mobilité réduite, et on dit plus homosexuels, on dit personnes à mobilité inversée. Vous le saviez ça? Vous le saviez pas ça? Ah mais on va apprendre des trucs. Pas toujours très fin, mais on va apprendre des trucs. Tant qu'on y est à apprendre des trucs, vous savez qu'on dit plus mort. On dit plus mort, on dit comment? On dit décédé, mais on dit surtout personne à immobilité totale. Voilà, tout simplement. Ooh yeah, quand tu me mets some ball of this, okay, it's my day. I woke up and get some break up, miss me, some alone, mail, love, Billy Hill, mother for me. Okay, I'm something, bam bam. Je me devais de me rattraper pour ce dernier couplet de cette première nouvelle chanson avec un couplet hautement scientifique. Je veux pas vous mettre la pression, mais va falloir suivre. Environ 70% du corps humain est composé d'eau, sauf la nuit du premier de l'an.
Enquête, sondage, statistique, observation, investigation, étude, conclusion. Enquête, sondage, statistique, observation, on vit une époque de décortication. Oh, 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 hey. Tu peux baisser, tu peux, c'est... Merci beaucoup. Non, vous l'aurez sans doute compris, les sondages, les statistiques, personnellement, je supporte pas, je supporte plus. Je trouve ça pénible qu'on demande vraiment tout le temps leur avis aux gens comme ça, là. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, c'est pas tellement en soi, d'ailleurs, les sondages qui m'insupportent, c'est plutôt les interprétations qu'on peut en faire, voyez-vous. Ce soir, parmi nous, il y a des couples mariés. Au vu des réponses, l'interprétation possible ce soir est en instance de divorce, vous voyez ce que je veux dire? Et si ça se trouve, en plus, c'est vrai. Oh, l'ambiance. Est-ce que vous êtes venus entre amis ce soir? Entre amis hommes et femmes, n'ayez pas peur. Hein. Vous êtes venus entre amis hommes, c'est génial. C'est génial parce que sans le savoir, vous allez à l'encontre de toutes les statistiques possibles et inimaginables et ça tord le cou à cette idée reçue qui dit que l'amitié est pas possible entre un homme et une femme. Can a man really honk? Can L'amitié est possible entre un homme et une femme si l'un des deux est moche. Voilà. Pas ce soir, hein. En général, ce soir nous sommes tous beaux, je le vois bien. Hein. Certains plus intérieurement que d'autres, mais beaux. Et puis ce soir ici, nous avons un point en commun, devrais-je dire, nous sommes tous des mammifères évolués. Ouais, je vous rassure. Je suis, tu es, vous êtes, nous sommes tous ici ce soir des êtres évolués, des êtres évolués. Je suis, tu es, vous êtes, nous sommes tous des êtres évolués, des êtres évolués. Il a fallu des millions d'années pour que les poissons sortent de l'eau et deviennent des mammifères ou des reptiles. Je ne sais pourquoi, mais cette idée me vient alors que ma femme est dans son bain depuis au moins 2 heures. Vous vous rendez compte de l'évolution quand même, hein? Il a fallu des millions d'années pour que le cou des girafes s'allonge afin de suivre l'évolution de la végétation. Alors qu'aujourd'hui c'est moins long pour avoir le bras long, tu fais l'ENA ou à la rigueur inséminateur. Je suis content que vous la compreniez un petit peu, ça, là, vous voyez. Parce que ce genre de truc à Paris, ça passe pas du tout, vous voyez. J'ai beaucoup joué à Paris, ce genre de truc, ça va se... Mais alors, pas du tout. Mais vraiment, alors, j'ai beau leur expliquer qu'inséminateur ou politicien, c'est un peu le même métier. Je vous fais pas un dessin à la campagne, ça va. Hein. À la différence, c'est quand même qu'il y en a un des deux qui met des gants. Alors, ça, oui, là, ouais. Je suis tué, vous êtes, nous sommes des êtres évolués, des êtres évolués. Je suis tué, vous êtes, nous sommes tous des êtres évolués, des êtres évolués. Alors, même si c'est un fait avéré ce soir ici que nous sommes tous des mammifères évolués, permettez-moi parfois d'avoir quelques doutes sur le bien fondé de l'humanité. L'homme n'est quand même pas venu sur Terre pour aller fêter la Saint-Valentin au Buffalo Grill. Rassurez-moi, pas vous. Si. Parce que ce genre de choses, vous voyez, moi, ça me fait poser des questions. Je veux dire un truc, des questions que je me suis toujours posées, mais je crois que ce truc-là, mais pas plus tard que la semaine dernière, je me suis posé une question, je vous la soumets pour voir la teneur de ce que j'ai dans la tête parfois. Que faisait le pan, l'animal, hein, que faisait le pan avant l'invention de la roue? Ça, vous en avez pour 15 jours, d'un truc comme ça. Hein. Que faisait le pan avant l'invention de la roue? Alors, je me suis toujours posé beaucoup de questions, mais je crois que la pire période pour moi en matière de questionnement, ça a été l'adolescence. Et si on regarde bien, l'adolescence, c'est la période des boutons et des questions. Et moi, dans les deux cas, il y a des mystères que j'ai réussi à percer, d'autres qui me démangent encore. Hein. Jusqu'à l'âge de 14 ans, je me suis demandé, quand on embrassait une fille, dans quel sens il fallait tourner la langue. Est-ce que c'était le sens aigu d'une montre ou le contraire? La question a l'air simple, mais la réponse est beaucoup plus compliquée qu'elle n'y paraît. Tout dépend si on se trouve dans l'hémisphère nord ou dans l'hémisphère sud. C'est comme l'écoulement de l'eau dans les lavabos, vous savez. Vous noterez d'ailleurs au passage que si la fille refuse d'ouvrir la bouche, hein, le desktop ne marche pas du tout, hein, d'accord?
Alors voilà, il y a des questions que je me pose depuis des années. Je note sur mes petits cahiers d'écriture et j'avais envie de vous en soumettre quelques-unes ce soir pour voir si vous pouviez m'aider à y répondre. Ça serait vachement sympa de votre part. On va échanger, on va apprendre à se connaître, on va communier quelque part. The king of mother queens, kids fun like his, and his freely soul kiss, and his night with his good way, and a quick gig. Et là, il n'y avait rien à comprendre. Là. C'est juste du scat. Là, c'est rare quand je joue devant des musiciennes, donc vous savez ce que c'est, évidemment. Là, c'est parti la chanson, attention. Dans un bateau de luxe, est-ce qu'ils ont vraiment du parquet flottant? Là, on y va, là, t'es parti, là. Non, mais il faut y aller, non, mais... Bon. Quand tu prends ton ticket au péage de l'autoroute, quand la machine te souhaite bonne route, est-ce qu'elle le pense vraiment? Pourquoi les femmes ont-elles toujours la bouche ouverte quand elles se maquillent les yeux? La grande lumière blanche, que paraît-il on aperçoit lorsque l'on trépasse, Red Charles l'a-t-il vu? Des questions qui me hantent, qui me guettent, auxquelles je réponds parfois, mais le plus souvent pas. Des questions, somme toute un peu bébêtes, parfois c'est difficile d'habiter dans ma tête. Lorsque l'on rencontre quelqu'un qui est ambidextre, quelle main doit-on lui tendre? Hier soir, il y a quelqu'un qui m'a dit, moi je m'en fous, je l'embrasse. Bon, ok, d'accord. Hein. 1 kilo de plume pèse autant qu'un kilo de plomb. Mais est-ce que ça fait mal pareil si on les prend sur le pied? Que font de leurs mains les footballeuses qui forment le mur au moment d'un coup franc? Bernadette Soubirous a-t-elle été vraiment la première présidente du spéléoclub de Lourdes? Des questions qui me hantent, qui me guettent, auxquelles je réponds parfois, mais le plus souvent pas. Des questions, somme toute un peu bébêtes, parfois c'est difficile d'habiter dans ma tête. Pourquoi ma femme rouspète quand je ne rabaisse pas la lunette des WC? Alors que moi c'est vrai, je ne lui dis jamais rien, bien qu'elle ne la relève jamais. Des questions qui me hantent, qui me guettent, auxquelles je réponds parfois, mais le plus souvent pas. Des questions, somme toute un peu bébête, parfois c'est difficile d'habiter dans ma tête. Pour ceux qui me connaissent un petit peu, vous aurez sans doute remarqué quelque chose. Mais ceux qui ne me connaissent pas, si vous avez remarqué un truc, dites-le, c'est le moment, hein, d'accord, bon, c'est parti. Tel que vous voyez, messieurs, dames, voilà, en quelques mois, je suis passé de 120 kg à 80 kg. 85, aujourd'hui, j'ai repris 5 kg, mais ouais, je me suis un peu stabilisé. Alors évidemment, les gens ne me croient jamais. Faut aller voir sur Internet, s'il y en a, voilà, vous verrez. Donc, je ne vais pas vous faire le truc, mais vous voulez savoir comment ça s'est passé, cette histoire, ou pas? Les filles, ça vous intéresse ou... Ouais, j'en vois certaines, ça devrait les intéresser. Ouais, bon, bah, ouais. Ah, mais maintenant, je m'en fous, quoi. Tout a commencé le jour où mon toubi m'a dit Pinks and smash, pinks, pinks, on bang, and make it. Qu'est-ce que tu crois que tu vois? Qu'est-ce que tu vois de voir de ça? Eh oui, il parle comme il écrit. Je vous traduis ou pas là? Wally, si tu continues comme ça, il va t'arriver un problème, crois-moi. 25 kilos de prix en à peine un an et demi, c'est de la folie. Si je te dis ABC, qu'est-ce que tu me dis? Je sais pas moi. AVC, voyelle. Je te dis voyelle.
C'était drôle, voyez-le. Beau sens de la répartie, quand même, hein. Je trouvais ça drôle, moi. Bien sûr que c'est drôle, mais j'ai plus envie de rire. Faut vraiment que tu fasses des analyses. J'ai donc fait des analyses. Et lorsque je les ai reçues à la maison, il n'y avait que l'adresse qui était bonne. Ça vous fait rire, vous voulez. Vous voulez ma peau, c'est pas possible. C'est... Quoi qu'il en soit, drôle ou pas, la fin lui a arrêté les conneries. Et quelques kilos de moins plus tard, me voilà, voilà, Wally. Voilà, et maintenant je suis comme ça, et on va essayer de rester comme ça quelques jours, merci. Quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois. Alors évidemment, au vu de cette transformation, pas mal de monde s'est posé pas mal de questions. Certains se sont demandé si, en ayant perdu autant de poids, j'allais être toujours aussi drôle. Ils avaient peur que je devienne trop fin. Alors, je voudrais rassurer cette catégorie de public qui vient souvent à mes spectacles et je les en remercie. Ce que je vais faire maintenant, c'est pour vous. Là où la plupart des gens ménagent la chèvre et le chou, le légionnaire ménage que le chou. Voilà, ça c'était pour rassurer les gens qui pensaient que j'étais devenu trop fin. Je vous sens moyennement rassuré ce soir à Issoudun. Hein. On va pas prendre de risque, on va me faire une deuxième, d'accord? On va me faire une deuxième. Hein. Un fumeur sur trois dans le monde est chinois, ce qui expliquerait peut-être qu'ils sont jaunes partout et pas qu'autour des doigts. Là, on est rassuré. On est rassuré. Puis, je crois que la réflexion qui est revenue le plus souvent hein, de la part d'amis proches et qui se rendaient pas forcément compte de ce qu'ils me disaient... Hein, putain, Wally, mais t'as dû en chier, quoi. Qu'est-ce que vous voulez répondre à un truc comme ça, évidemment. Hein. Évidemment que ça a été difficile. Mais vous avez remarqué que j'ai eu la délicatesse de ne pas dire dur. Ça a été difficile. Mais il y a quand même des choses beaucoup plus difficiles que ça en la vie. Ce n'est pas facile, exemple, pour un chanteur corse, de jouer de la guitare et de chanter en même temps. Ne regardez pas comme ça, je ne connais pas de chanson corse. Enfin, je ne connais pas. Je connais peut-être une, vous allez me dire, je ne sais pas si elle est corse. Et boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, la préfecture fait boum boum. Alors, est-ce que c'est corse ça? Je me posais la question de savoir si c'était corse ce truc. Je ne sais pas. Alors, c'est comme, alors, toujours on me dit c'est basque. Alors, il faut savoir. Essayez celle-là. Est-ce que vous saviez que tout le monde s'éclate? Ah la queue le. Est-ce que vous le saviez ça, que c'était syrien? Vous le saviez ça assez de mauvais goût, mais il y en aura d'autres, vous inquiétez pas. Non, mais voilà, la chanson qui vient, je sais qu'elle n'est ni basque, ni corse, ni syrienne, et je vais la dédier à tous les Bretons présents cet après-midi dans cette salle. Il y a des Bretons ce soir ou pas? Super, j'adore la Bretagne, j'adore. Et si on regarde bien, vous ne me démentirez pas, on a tous quelque chose à nous de Bretons ici. Hein. On a tous un kawé, non? Hein? Bon, alors... Walking and walking in mace, saw the game of the ball kids, the kind of them were rigging up, spawning the day, getting the pretty leaky on the bam bam bam. Ce n'est pas facile de regarder le soleil en face, mais c'est encore plus difficile de le regarder de profil. Là, je sens que j'en perds déjà, là, voyez là. Ce que j'avais gagné avec les Chinois, je les perds avec les Bretons. Ce n'est pas facile de faire de la peinture à l'huile, mais c'est encore plus difficile de faire de la peinture au beurre, même allégé, au beurre, même allégé. On the walk and the make it, walk in the farm, bake on some face on the way, shown on the way, you call on a moment. Ce n'est pas facile de se coucher avec les poules, car c'est déjà bien difficile de coucher avec une seule. Comme dit un copain, chaque fois que j'ai des préservatifs, je ne baise pas, mais quand je n'en ai pas, c'est pareil, 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 pareil. Ce n'est pas facile de faire le vide dans sa tête, mais c'est encore plus difficile de faire le plein à Valzerque. Cherchez pas, c'est personnel.
Valzergues, c'est dans l'Aveyron, c'est de là où je viens, et c'est entre les Albres et Montbazin, une fois je suis tombé en panne d'essence, c'est tout. Des fois il faut remplir. Hein. Ce n'est pas facile d'être prophète en son pays, mais c'est encore plus difficile d'être charcutier à Kaboul. Ah, c'est pas dans l'Aveyron, Kaboul, vous le savez. Hey. J'ai révisé la guitare parce que j'ai eu Ce n'est pas facile de consoler la pauvre veuve, mais c'est encore plus difficile lorsque c'est la sienne. La sienne, la sienne, la sienne. Ah, il faut que je fasse gaffe, parce que je vous explique, parce que jouer une heure, pour moi, c'est un calvaire, parce que je joue beaucoup plus d'habitude, comme je parle, là, je coupe, évidemment, et Nico, que je vous demande d'applaudir, que je connais depuis des années, là, qui fait partie de... me dit, c'est demi-heure, alors imagine, voilà. Alors, vu que je suis dans un festival de guitare, je joue un nouveau spectacle qui s'appelle « J'ai arrêté les bretelles » du fait de tout ça, et je rends hommage à un chanteur français qui, grâce auquel j'ai appris la guitare. Et ça va vous surprendre, mais c'est Hugo Frey. C'est Hugo Frey qui est le mi mineur Hugo Frey, quoi. Quand j'étais un colo, voilà, dis-moi, Céline, les années ont passé. Si on regarde bien cette chanson, ça se termine pas très bien parce qu'elle finit seule quand même, Céline. Hein. Mais il n'y avait pas que ça, il y avait. Il s'appelait Stubol. Ça se termine guère mieux, Stubol, si on regarde bien. Mais il n'y avait pas que ça. Écoutez cette histoire que l'on a. Il meurt à la fin, il meurt, alors là. Bon, il y a Santiano, on est d'accord, il y a Santiano. Bon, il fait un naufrage, mais il le dit pas dans la chanson, ça vous le saviez pas. Hein. Non, Hugo Frey, total respect, parce que c'est le premier chanteur à avoir fait connaître en France un chanteur qui allait influencer par la suite bon nombre de chanteurs français, à savoir Robert Zimmerman, dit Bob Dylan, hein, d'accord. Bob Dylan, Blowing the Wind, Like a Rolling Stone, The Refrigerator, enfin, tous ces titres-là. Bob Dylan qui a été lui-même influencé par Woody Guthrie. Fait un peu de... Vous vérifierez sur Internet si vous arrivez à retaper le nom, vous verrez. Qui lui-même a été influencé par Pete Seeger, voilà, tout simplement, Pete Seeger, pareil. Alors, Hugo Frey, il a influencé pas mal de chanteurs français, et pas des moindres. Raphaël. Benjamin Biolay. Carla Bruni. Jean-Louis Murat. Mais il a aussi influencé des vrais chanteurs. Et... Oui, ces quatre-là, je les aime pas. C'est comme ça. On n'est pas censé aimer tout le monde. Je les aime pas. Je le dis, je les aime pas. Et il a influencé un chanteur qui est malheureusement décédé il y a quelques années, que j'aimais beaucoup. Je voudrais lui rendre un hommage cet après-midi à Issoudun. On m'a vu dans le Vercors. On m'y verra plus. Voilà. Alors... Quand c'est trop long, les hommages, c'est cher, on est d'accord, hein. Alain Bachung, pour ceux qui n'auraient pas reconnu, évidemment. Bon, moi, j'ai beaucoup été influencé par la chanson française, mais comme tous les gens de mon âge, tous les trentenaires, on a beaucoup écouté de chansons anglaises, d'accord. Et j'avais envie de faire une performance cet après-midi, je la fais rarement. Bon, on est dans un festival, quand même, j'ai un peu réfléchi à ça. Je vais vous jouer un morceau d'un groupe des années 80 mondialement connu. Si vous arrivez à reconnaître le nom de ce groupe, je vous fais une performance derrière, d'accord. Ok ? Groupe des années 80. Hein. Toto, exactement, Toto. Pour les autres, Toto, c'est un groupe qui a vraiment existé, hein, je vous le dis. Hein. La performance que je vais tenter cet après-midi à Issoudun, je vais tenter de faire une blague de Toto sur une musique de Toto. Ah. C'est Toto. À l'école, sa maîtresse lui dit, mais quelle est la cinquième lettre de l'alphabet?
Là, vous pouvez applaudir parce que j'ai réussi. Vous vous rendez pas compte, là. J'ai réussi. Je suis en train de travailler sur une contravention avec une musique de police et c'est pas gagné, je peux vous le dire. Et je ne désespère pas un jour de mettre en musique un extrait du catalogue La Paire sur une musique des Doors. Voilà, tout simplement. Oui, vous savez, quand on est dans ces processus comme ça, moi des fois je dors pas trop, vous voyez. Et j'en ai une sur le feu en ce moment, là, un peu dans la même... Je vous la fais, elle est pas au point encore. Je vous la fais ou pas? Vous êtes pas assez prêts, de toute façon. Ça tape dans ma tête. J'ai le dos qui me fait mal. Je suis enflammé au niveau de la troisième dorsale. J'ai souvent des migraines, mais mon toubi trouve rien. Et si c'était pas cette jambe qui me lance, tout irait bien. Champion de la queen. Si je queenais pas, ça n'irait pas. Oui, je suis champion. Oui, je suis champion. Alors, je queen sur une musique de queen. Voilà, c'est pas au point encore. J'ai juste que j'essaie. C'est un essai. C'est un essai. Ça, 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 ça. Ah mais si ça vous plaît, je vais vous en faire une autre. Attends. Attends. Est-ce que vous reconnaissez ça là? Groupe irlandais quand même, super connu. The Cure, exactement. Salis du salade, la bourboule, axe les termes, Vittel et Vian. Bannière de Bigorre, Luchon, Vichy et Saint-Lary, Soulan. Trop bien les cures. Voilà, c'est bien. Ah mais attendez, moi vous en voulez, je vous en donne, hein, attendez. L'autre jour, j'ai rêvé d'un truc, ouais, je suis un peu perturbé des fois. J'ai rêvé de... Bon, évidemment, tout le monde connaît ça. Mais, on se dit top. Mais j'ai rêvé que les barbus de ZZ Top, c'est un truc, ils avaient adapté La Grange, c'est le titre du morceau, pour l'appel à la prière, vous voyez, ça donnait ça. Allahu Akbar. Et là je me suis réveillé en sueur, à l'ensueur, parce que on peut pas rire avec ça, non, il faut pas rire avec ces conneries. Non, il y a des gens qui ont des religions qui sont plus ou moins dangereuses. Celle qui vient de chansons, elle va choquer, je vous préviens, elle a déjà choqué, elle choquera, hein. Comme disait Francis Cabrel, je l'aimais, je l'aime et je l'aimera, d'accord? Elle va choquer. Je m'accorderai après, vous inquiétez pas. Les analyses ADN de tous les participants à la crèche de Noël ont confirmé ce qu'on supposait depuis longtemps. En fait, le père de Jésus, c'était l'âne. Ah, ça choque, je vous l'avais dit. Ah mais non, mais la première fois que je l'ai chanté cette chanson, c'était en Bretagne. Plein pays bigoudin, Plonéo Lamberne exactement. J'étais à Plonéo un dimanche après-midi pour un festival d'accordéon. Vous voyez, je ne fais pas que les festivals de guitare. Hein. Et je ne joue pas de l'accordéon, mais j'étais dans un festival d'accordéon. Je fais ça, silence de mort dans la salle. De mort. Et je sais pas ce qui m'a pris ce dimanche après-midi. Je regardais par quoi j'allais enchaîner, là. J'avais une liste comme ça et je me suis relevé. J'ai dit, de toute façon, ça pouvait pas être le bœuf. Alors ça va, hein, bon, alors bon. Hein. Ah, des fois, il y a des trucs qui passent pas, hein, ça arrive, hein, vous savez. Hein. Alors, dans les trucs... J'ai lu dans un journal, il y a quelques temps, qu'un couple d'agriculteurs avait mis la grand-mère morte sur le balcon et qu'il la sortait surtout du congélateur. Sur le balcon, pour faire croire qu'elle était toujours vivante. C'est terrible, hein, parce que je pense qu'on peut rire de beaucoup de choses comme on vient de le faire, mais ce que je viens de vous dire déjà est d'une vraie, malheureusement vraie. Moi, ce genre de truc, ça me fait pas rire du tout. Hein. Bon, après, chacun a sa conscience pour lui, évidemment. Hein. Et de trois, on ne le répétera jamais assez, il ne faut jamais recongeler un produit décongelé. Hein. Surtout de la viande. Alors,
le monde ne va pas bien du tout, hein, quand on voit des trucs comme ça. Hein. On est quand même dans une... C'est violent, quand même, la société dans laquelle on vit. C'est très violent. Hein. Alors, malgré tout ça, il faut rester optimiste. Il faut rester optimiste. J'ai envie de ce soir d'être vraiment... Il faut être positif. Voilà, il faut être positif. Richard Clayderman et André Rieu ont beaucoup plus fait pour le brushing que n'importe quel coiffeur pour la musique. Alors, si ces deux couillons l'ont fait, pourquoi pas nous ? Tu vois ? Il faut essayer de voir le bon côté des choses et même de leur trouver un avantage à ces choses, vous voyez ? Moi, c'est ma philosophie de vie, tout simplement. Voilà. Donc, je me suis dressé une liste de situations toutes plus dramatiques les unes que les autres et j'ai essayé, tout modestement, de leur trouver un avantage à chacune. C'est rock'n'roll, c'est la folie, c'est parti. Et en plus, on va jouer ce qui est quand même la folie. L'avantage quand t'es invité chez des cannibales, c'est que tu peux apporter à manger tout en arrivant les mains vides. Je vous rappelle qu'on cherche des avantages à des situations dramatiques, d'accord, hein? Alors si l'avantage vous plaît, vous convainc, c'est là où on va jouer. Hein? Vous pouvez dire 1 points, 2 points, 3 points, 4 points, 5 points, d'accord. C'est un peu un terminal de la chanson cet après-midi, ouais. Faites gaffe, les vachettes vont arriver par derrière là-bas. Hein? Mais ce premier avantage, vous l'avez trouvé comment ? 1, 2, 3, 4, 5. 1, super. L'avantage avec le réchauffement de la planète, c'est que si l'avenir paraît plus dur, les carambars sont plus mous. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 2. L'avantage avec les éclipses, c'est qu'au moins et pour une fois, même les éjaculateurs précoces peuvent se vanter d'avoir fait l'amour toute la nuit. Combien les filles là ? Combien les filles là ? 5. J'ai entendu ten là-bas derrière. What I say? Tiens, on a pretty skunky little sports man. It's found on the wheel. Oh, skunky little twin smart man. The mail radio. Skunky little kind of mother fans. My face. Tweet up to le cruel naufrage du Titanic, c'est que vu la taille du glaçon, le champagne devait être bien frappé. Alors c'est moins bon, je suis d'accord. Je vais néanmoins essayer de me rattraper. L'avantage, si l'on vient à t'amputer des deux jambes, tu peux être sûr que dorénavant, tu partiras pas les pieds devant. 1, 2, 3, 4, 5. L'avantage avec l'Alzheimer, avec cette terrible maladie, c'est que tu... Merci beaucoup. Hein. Alors c'est un peu décousu hein, cet après-midi parce qu'à une heure, je joue plusieurs spectacles en même temps. Et j'avais envie, pas complètement terminer, mais en tout cas de faire une dernière chanson, d'avoir une pensée pour les gens qui étaient là cet après-midi et qui n'ont rien compris à ce que j'ai raconté. Il y en a, moi des fois je me retrouve dans cette position, je vais à des spectacles où je comprends que dalle, quoi. Alors on a un intellectuel devant là, attention. Je viens de comprendre, bravo. Alors, non, parce que vous n'avez pas payé, c'est gratuit cet après-midi, mais quand même, j'ai vu des gens qui ont pari une seule fois. Là. Alors, je voudrais pas que vous repartiez comme ça, sans avoir au moins souri une fois, d'accord ? Donc, je pense à vous, et je vais vous faire une chanson pour vous. Hein. Les autres, le niveau a baissé, je vous dis, au niveau du texte, je veux dire. Hein. Mais bon, quand même, il faut contenter le client, quand même. Le client est roi, quand même. Dans les sociétés avec lesquelles nous vivons, le client est quand même roi. Alors bon. J'hésiterai pas à descendre le niveau s'il faut, pendant la chanson, d'accord ? Et je sais où ils sont ceux qui ont pari, parce que là je vous vois en plus cet après-midi. Bien que les deux fêtes sont célébrés le même jour, le 1er mai, il est plus facile de trouver du muguet que de trouver du travail.
Non mais là. Là je les vois, hein, je sais où ils sont. Hein. C'est pas gagné ce soir, je veux dire. Hein. Je vais être obligé de. Est-il vrai qu'un pinailleur, c'est quelqu'un qui commet l'adultère? Ça, je laisse un peu le temps. Non mais s'il faut laisser le temps, je laisse le temps, moi je veux dire, on s'en fout. Et tant qu'on est sur un terrain qui glisse, un couple qui bat de l'aile, c'est souvent à cause de la cuisse. Ah mais j'hésite pas à y aller, moi, Dieu. Ça paraît évident, mais je crois nécessaire quand même de rappeler que quand c'est évident, ça ne l'est pas pour tout le monde. Et ça, c'est évident. Là où le commun des mortels est très content quand il a trouvé le point G, le maçon quant à lui est très excité quand il a trouvé le point P. Quoi qu'il faut être un peu bricoleur pour comprendre aussi. Là, c'est le dernier, je pourrais pas descendre plus bas, hein, je vous le dis. En voyant les filles sur la plage l'été, les garçons ont les yeux qui sortent de l'orbite, et réciproquement. Ça paraît évident, mais je crois nécessaire quand même de rappeler que quand c'est évident, ça ne l'est pas pour tout le monde, et ça, c'est évident. Pas pour tout être pour vous. Bonsoir. Vous emmerdez pas à rappeler, je suis pas parti. Vous avez vu les codes du spectacle quand même commencer, vous êtes bien élevé, vraiment j'aime beaucoup ce que vous faites, vraiment. Merci beaucoup de votre accueil, je voudrais remercier évidemment les inconscients qui ont eu l'inconscience de me programmer dans ce festival de guitare. Vraiment très bon moment, j'ai vu plein de luthiers, moi je joue toujours sur une guitare qui n'est pas une guitare de musicien. Takamine, on s'en sert pour sauter dessus, vous voyez, en général. Hein. Les guitaristes me comprennent. Hein. J'ai la même guitare, alors j'ai eu juste, j'ai vu Cheval en bas et tout, putain, enfin je connais que lui, hein. Après je... Je connais juste... J'y connais rien, moi. Ça m'intéresse pas, la guitare, vous voyez. Non, mais c'est vrai, en plus. J'ai rien à péter. L'instrument, je veux dire. J'adore en jouer, mais... Après, bon, je sais pas comment vous... C'est vrai qu'il y a des guitares qui sonnent quand même mieux que ça. Ça, je suis d'accord. Hein, mais c'était pas mal. Et au son, ce soir, c'était Michel Fraisse qui a fait le son. On peut l'applaudir, voilà. Je me pose une grande question en matière artistique. Soit je fais ça, soit... Ben, j'ai plein de trucs là. Je suis. Le physique influe-t-il l'œuvre? C'est une question que je me suis toujours posée. Et je crois que j'ai une réponse. On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant, comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. C'est quelqu'un qui m'a dit. Apparemment, avoir vos têtes, le physique influe l'œuvre, ça c'est sûr. Bon, hein. Pensez pas que j'allais chanter cette saucisse jusqu'au bout quand même, attendez là. On est quand même dans un beau festival culturel et tout, on n'est pas là pour ça. Hein. Pourquoi je fais ça? Ben, pour vous faire toucher du doigt le fait que nous sommes aujourd'hui dans le règne de ce qu'on appelle le marketing. Et que personnellement, au risque de vous choquer cet après-midi, j'ai rien contre le marketing à partir du moment où c'est clair. Moi je vois, il y a quelques années, j'ai fait ça le vouloir, ça le savoir, de manière totalement naïve, innocente, un vrai produit marketing, messieurs, dames. Fait rarissime dans un spectacle de chansons, messieurs, dames, pub, pour ne pas ressembler aux autres à cause des t-shirts qui se ressemblent tous, enfin un t-shirt, il y a rien marqué dessus. Même derrière, voilà, alors ça c'est pas la peine d'essayer de me piquer l'idée, puisque j'ai déposé un brevet pour ça il y a quand même très longtemps, et c'est vrai. Et dans la première maison de disques où j'étais, Boucherie Productions, pour ne pas la citer, Feu Boucherie, je vendais beaucoup plus de t-shirts que de disques. Et c'est vrai. Alors quand il a fallu faire un deuxième album dans cette même maison de disques, il y a quelqu'un qui a dit « Wally, tu pourrais pas faire le caleçon qui va avec ?» N'ayez pas peur. C'est un caleçon que j'ai réellement inventé et commercialisé, bien sûr. Et c'est un caleçon où il y a marqué « Enfin un caleçon où il y a quelque chose dedans, même derrière. » Alors bon, c'est pas du même goût, mais bon.
Ça se vend beaucoup, ouais. On est en rupture de stock. Hein. Parce que j'ai inventé plein de... J'ai inventé le premier paillasson à poil inusable. C'est moi qui ai inventé le premier paillasson à poil inusable. Regardez. Bienvenue, mais allez vous essuyer les pieds chez le voisin. Voilà, tout simplement. Voilà, je vous le mets dans la corbeille, celui-là, ce soir. Et comme vous voyez, il a l'air très sympa, cher client, cet après-midi. Je n'hésite pas, au plaisir de vous rajouter un deuxième article. Et pas n'importe lequel, messieurs, dames. Je vous rajoute un deuxième paillasson, le paillasson GPS. C'est très pratique pour savoir où l'on se trouve. Et je les vends à la sortie. Parce que vous pensez, mais c'est pas avec les conneries que je chante que je gagne ma vie. Je suis marchand de tapis. Et vous m'avez l'air tellement formidable que je vous rajoute trois articles pour terminer ce soir, messieurs, dames. Les trois DVD de mes trois précédents spectacles. Le premier, l'orange, il est pas mal. Le second, le blanc, il est pas mal. J'avais fait 6 semaines à l'Olympia avec Eddie Mitchell, c'est dessus. Enfin, il n'y a pas les 6 semaines, il y a juste une semaine. Le dernier, là, en date, Absurdité protéiforme. D'habitude, je les vends 15 euros pièce. 15 euros pièce, et ce soir, pour vous, exceptionnellement, à Issoudun, je vous le fais à 30 euros les trois. 30 euros les trois ou 15 euros pièce, ce qui fait que si vous en prenez que deux, vous êtes un petit peu con. Attendez, là, je sens malaise. Là. Je vous insulte pas quand je dis ça. Hein. On est tous le compte de quelqu'un, mais il y a des fois quand même. La première fois que j'ai eu l'idée de ce t-shirt, j'étais voir un copain chez moi il y a quelques années, de Casville, sérigraphe. J'ai dit, j'ai une super idée, je crois qu'on va devenir millionnaire. Enfin, surtout moi, d'ailleurs. C'est une t-shirt remarqué, on fait une t-shirt remarqué dessus, même derrière. Hein. Il me regarde et il me dit, ouais, mais il y a un truc marqué dessus. Alors certes, on est tous le compte de quelqu'un, mais il y a des fois quand même. Hein. Depuis des années, je me suis fait une spécialité des chansons que moi j'appelle courtes, ça fait une quinzaine d'années maintenant. Et j'avais jamais enregistré ces chansons, parce que mes chansons n'ont pas grand intérêt, si vous voulez, sur CD. Et là, on vient de sortir un album qui s'appelle 99 chansons courtes seulement, parce que 100, ça en aurait fait un peu trop, d'accord. Et on le vend 9,99€, ce qui est un véritable concept. 9,99€, 99 chansons, hein, un concept, voilà. Au même titre d'ailleurs que les chips à l'ancienne. Hein. Oui, il n'y a que moi que ça interpelle, les chips à l'ancienne. C'est quoi ce truc de chips à l'ancienne? Il y avait des chips au Moyen-Âge, c'est quoi le... Moi, les seuls chips à l'ancienne que je connais, c'est quand la date de péremption est dépassée, quoi. C'est quoi ce truc? On nous prend vraiment pour ce qu'on est, vraiment, des fois. Hein. C'est comme le menu malin sur les aires d'autoroute. Là, il y a des guitaristes, on prend assez les autoroutes. Le menu malin ou le menu futé, là, sur les aires d'autoroute. C'est quoi ce truc? L'autre jour, j'ai dit à la vendeuse, j'ai dit, je suis un peu con, j'ai droit aussi ou... Elle m'a dit, oh oui, je vais demander à ma chef, attendez là, oula, oula. Bon, ça c'est un concept. Mais c'est des conneries, mais c'est dit d'entrée, vous voyez. Donc il y a des textes, il y a vraiment 99 chansons, les accords de guitare dessus quand même, je pense aux guitaristes, illustrés graphiquement par Arnaud Soba, un ami. Il y a le CD à la fin. Et là où on ne s'est pas foutu de votre gueule, c'est que le papier c'est quand même du 250 grammes. Alors pour terminer, vous allez me donner des numéros de 1 à 99. Et je vais être pile poil dans les. Regardez, il nous reste 10 minutes. On va voir. Hein. Et puis je vais vous les chanter parce que normalement je suis censé toutes les connaître puisqu'on les a quand même pas mal écrit. Je viens commencer par deux ou trois intellectuels parce que vous avez percuté sur à peu près tout ce que j'ai fait là. Et c'est pas souvent le cas donc. Toujours une intro musicale pour moi dans les chansons courtes, comme je la pratique. Hein. Là, une espèce là, de mélange de scorpion et de Belle et Sébastien. Le texte arrive. Si Vivaldi était né dans la forêt équatoriale, est-ce qu'il aurait composé les deux saisons? Vous embêtez pas, vous emmerdez pas. J'ai pensé en faire trois. Au vu des réactions sur la première, je me demande si je fais la deuxième déjà. Ouais. Mais je vais quand même la faire parce que je crois en vous. Quoi. Moi, ce que je préfère dans le poulet, c'est le blanc. Et dans les fruits de mer, c'est le blanc aussi. Alors ça met un peu de temps à venir. Hein. Je vous rassure, au moment que je l'ai écrite, je ne l'ai pas comprise de suite. Hein. Il y a des amis proches qui la comprennent toujours pas, qui me disent « Wally, qu'est-ce que tu as voulu exprimer là-dedans ?» Je ne pouvais pas dire « Moi, ce que je préfère dans le poulet, c'est le muscadet. » Vous voyez, je ne pouvais pas dire ça. Et là, il y en a qui comprennent, regardez, il y en a qui comprennent, et qui se disent « Putain, mais lui, il est con. » Alors là, vraiment, je vous fais la troisième. La troisième pourrait se rapprocher du collège de pataphysique dont j'affectionne pas mal les théories.
Et l'autre jour, dans le public, il y a même quelqu'un qui m'a dit « C'est même de la physique quantique, là, ce que vous faites, monsieur Wally. » Je ne savais pas. Le vide, c'est un peu comme un trou dans rien, avec du creux autour. Ça, c'est comme quand ma gamine me demande « Est-ce que tu penses qu'à toute berzingue, ça va plus vite et qu'affole les manivelles ouais. ?» Bon, je vais faire une qui ratisse un peu plus large et puis vous me donnez le numéro après, d'accord ? Un physionomiste à l'entrée d'une discothèque, ce n'est ni plus ni moins qu'un ouvre-bois à deux. Bon, là, on est tous de niveau, là, ça va. On est parti pour le numéro, vous pouvez y aller pour le numéro, c'est parti. Le 7. Alors, le 7, c'est parti pour le 7. Le 7, oh là. Des fois, je regarde les gens qui me donnent le numéro et là, je vais regarder là-bas, d'accord ? Le sadomasochisme, ça, oh oui, ça, oh oui, ça crée des liens. Faut connaître. Un autre numéro, les amis, c'est parti. Ah, je la ferai après, pas de soucis. Bah, ouais. Un autre ? Le 12. Le 12, l'Aveyron, évidemment. Ça n'a rien à voir avec l'Aveyron. Les gens me donnent des numéros de département, voyez-vous. Elle n'a rien à voir avec l'Aveyron, peut-être dans quelques années. La course en mer, c'est con. Tu fais le tour des océans et tu rapportes même pas un poisson. Je vous fais la 11 dans la foulée parce qu'elle me plaît bien en ce moment. Elle sort de temps en temps. Elle a été écrite bien avant l'histoire que vous allez malheureusement reconnaître. Dans 2000 ans, ils n'ont pas fini de se poser des questions. Les archéologues qui découvriront des méduses sans tentacules dans les tombes de femmes siliconées. Ça, c'est un autre numéro, vite. Le 36. Évidemment, l'Indre, le 36. Alors, qu'est-ce que c'est le 36? Ah! Yes, man, fun, okay, some fun face. Oh, Hawking, some free, Marty, Hormel, you still matter to wear, so, Kyo, the free, weary. L'eczéma, ça se soigne, mais le psoriasis. Excusez-moi, mais le psoriasis, c'est difficile à dire. Un autre numéro, les amis. Le 18. Alors attention, le 18, c'est parti. Qu'est-ce que c'est que le 18? Ah, et je l'ai faite tout à l'heure. Alors, ce que je fais maintenant, c'est là où la plupart des gens ménagent la chèvre et le chou, c'est le 18. Je n'ai pas du tout pensé au chèvre, évidemment, mais je vais la remplacer par une nouvelle. D'accord, ça vous va? Parce que le second tome va bientôt sortir. Là. Comme mon chien ne rapportait pas, je l'ai appelé Livret A. C'est une nouvelle. On va la garder, celle-là. Hein. La 5, les amis. Attention, la 5. Qu'est-ce qu'elle, la 5? Attention. Le plus dur dans cet exercice, c'est pas tellement en soi de chanter les chansons, c'est de tourner les pages. Parce que le papier, c'est 250 grammes. On vous l'a déjà dit, non? Pas, pas, pas. La 5. J'ai vraiment piqué la musique à Léo Ferré, vous voyez. Sur un texte de Aragon. Vous reconnaissez pas cet accord-là? Je l'adore. Je l'utilise au moins une fois dans toutes les chansons. Je sais pas comment il s'appelle parce que je connais pas le nom, moi, des accords. Tout est affaire de décor. Changer de vie, changer de corps. À quoi bon, puisque c'est encore un peu moi-même, etc. Vous avez Aragon, drôle de vie, hein. Il y a un bouquin qui sort, là, je sais pas si vous avez vu. Hein. Oh putain. Ça n'empêche rien au talent. Hein. C'est pas le même texte. Une mouche morte. Ça n'a jamais fait pleurer personne. Un oignon si. Combien? 24, jeune homme. 24, évidemment. 24, c'est parti pour le 24. Ça va, hein? Oh! Can a man in the county to bonk in my game? Dans votre pain, game song, begging the water, neck a wheel to know. Ce n'était pourtant pas durant une manif. Et malgré cela, on n'est pas d'accord sur les chiffres. De 3 verres de vin selon l'organisateur, de grammes 38 selon la police. Un autre numéro, là, et puis on...
55, et puis on va pas tarder à y aller, hein, parce que vraiment... Hein, il faut qu'on mange, et puis on va aller voir le concert après, et tout ça, quoi. 55, alors attends, 55. Ah, d'accord, ah ben oui. Certains hommes font mourir leur femme à petit feu. Landru, non. Moi, j'en ai choisi une pour terminer, une nouvelle, t'es que... Je suis pas tout seul à écrire ça depuis des années. Il y a Schraz, Philippe Lebrun, Billy Coufignal, puis des copains chanteurs maintenant qui m'en avoient. Et là, il y a l'une d'un copain qui s'appelle Gégé Morel là, qui m'a dit ça, c'est Wally, tu le mets en musique et c'est pour toi. Non, 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 je ne suis pas schizophrène, et moi non plus. Et puis on va terminer tranquillement. Je vous remercie vraiment de votre écoute, vraiment, et de votre accueil au Dagdad Bar Café, c'est comme ça qu'on dit. Je vous demande d'applaudir Michel Fraisse qui a fait le son ce soir, ouais, bon, merci beaucoup. Merci à Nicolas. Bruno, j'étais à New York hier soir. Excuse-moi. Et merci donc à Alex et toute l'équipe des bénévoles du Festival des guitares d'Issoudun. Vraiment super, vraiment bravo. Hein. Alors, je vais terminer par une qui va nous permettre, évidemment, vous allez voir, c'est le lien est tout choisi. Hein. Et puis, dédicace aussi à la radio tout à l'heure, là, vraiment. Hein. Si tu bois sans avoir soif, faut pas t'étonner si un jour tu pisses sans en avoir envie. Allez, bonsoir tout le monde, merci. Vous pouvez acheter les conneries sur le site, là. Vous allez sur mon site, vous achetez toutes les conneries que vous voulez. Là, j'en ai, mais c'est... Ouais, sur le site, 10 euros. Pas cher, c'est la qualité des paillassons, c'est fait par des petits chinois, vous pouvez y aller, il n'y a pas de soucis. Allez, à tout le monde, salut.